Et salut à tous, ici Onimusha et bienvenue pour ce quatrième épisode de Pokémon Stadium. La dernière fois, nous avions battu Pierre dans l'arène d'Argenta. Cette fois-ci, on va tout simplement aller se faire Ondine. Voilà. Ondine, c'est parti. Alors, on va choisir nos Pokémon. Bon, il va falloir un Pokémon de type plante, j'imagine. Alors, Lance-Soleil, c'est un petit peu de... Hein, Trancher un méga sensu, ça me plaît. Ah, mais bah attends, il y a peut-être un qui va me plaire, je suis en noix de coco. Un petit noix de cocu, là. Après, il y a un Pifleur hein, qui nous a... Mais le Pifleur, on l'a pris contre Pierre, donc on va pas le reprendre, mais... noix de coco... Je l'ai passé. Il est où? Ah, là. Vampigrane, méga sensu, hypnose, bon bof, c'est pas mal. Genre, on va prendre notre coco, tiens. Il nous faut un Pokémon de type électrique. Il n'y aura pas un Raichu. Ah, peut-être. Electrode ? Total Food, non. Voltorb, ça me plaît pas trop. Pikachu. Tonnerre, Cage Éclair, c'est pas mal. Raichu, Fatal Foudre. C'est pas terrible. On va prendre Pikachu, tiens. Allez. J'ai envie de voir ce que donne Hypno, Mad. C'était avant, n'est-ce pas? C'était bien avant. C'était juste avant ça, je crois, Hypno, Mad. Ouais, c'est là. Hypnose, Dévorev, coup de boule, riposte. Ah, c'est intéressant, hein, Hypno, Mad. C'est un autre style de jeu, mais c'est intéressant. Ouais, Hypno, Mad, tiens. Juste pour voir. Oh, Spectrum Psychotonnerre, c'est parfait. Ah, il a Tonnerre aussi! Hypnose dévoreur. Attends, on vire Hypnomade, on prend Ectoplasma. Crista Biri. Non, trop nul à chier. Alors, il va certainement avoir des Pokémon pour contrer type eau, donc peut-être un type plan, peut-être un type électrique. Il faudrait quand même qu'en counter, je prenne un type genre ça. Rhinoceros, c'est pas mal. Ce serait trop couillu d'y aller avec Magmar. On peut prendre Magikarp, bien sûr. Léviator. Après Courage, mais c'est pas terrible. Ah, il y avait Voltali. Non, Voltali Fatal Foudre, non. Pyroli, des flags. C'est pas terrible. Porygon. Psycho, Porygon. Ah, il a soin. Oh, Psycho, soin. Et triple attaque. Triple attaque, du coup, c'est physique. Je ne ferai pas berner. Il a adaptation. Donc, par exemple, si on tombe contre le Staros, il peut prendre le type O. Ça change rien. Hein. L'autre se tape avec du type Psy. Donc, ça sera pas très efficace, malheureusement. On peut prendre des lecteurs. Enfin, c'est un petit peu. Oh, le lecteur clonage. Hein. C'est un petit peu overkill. Draco? Ah, Draco, c'est pas mal. On prend un petit Draco. Et puis voilà, j'avais dit qu'on prendrait donc quelqu'un. On peut prendre Rhinoceros, j'y crois moyen, mais... Non, parce que s'il y a un Pokémon de type plante, on est baisé. Qu'est-ce qui tank à la fois le plante et à la fois le... Le roche sol? Rien. On va prendre Grotanemorve. Je rappelle que Magneton n'est que de type électrique hein, à l'époque. Ah, Tétard, ça peut être une idée. 6, Hydrocanon, force. Je sais pas. En Pokémon un peu fourre-tout, Tétard. Qui résisterait. Globalement, si on envoie Tétard sur Staros, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, contre Ondine, on risque pas de l'envoyer. Là, il nous faut un Pokémon qui puisse... Quoique. Persian, peut-être. Ah, un petit Persian. Pourquoi pas Persian? En counter, qui puisse être là au cas où.
J'ai pas du tout de coverage sur certains trucs. Le Soralto? Ah non. Fenard. Fenard danse flamme, hein, bien sûr. En vrai. En vrai. Je vais prendre Fenard, tiens. Pour le fun. Allez, pêcheur. Que des Pokémon de type eau. Bon, bon on s'y attendait. Donc la classique, noix de coco, Pikachu, ectoplasma. Notre coucou qui sort notre Pokémon principal. Hein. Petit poisson roi. Volmega Sengzu. Cascade. Ah, c'est vrai que poisson roi avait cascade à l'époque, c'était son attaque signature. Avant que ça ne devienne une CS dans la deuxième génération. Poisson roi était le seul à pouvoir avoir cascade. Excellent Pokémon, un poisson roi dans la première génération. Et maintenant... Oh non! Me dis pas que ça va marcher! Oh putain. Casse-toi. C'est vrai que ça rend pas le corps cette merde aussi là. Pokémon que j'adore, hein, poisson roi. Alors, à qui le tour? Karabaf. Bon, logiquement, il n'y a aucun souci à se faire. Ah, il peut avoir Laser Glass. Il peut avoir Laser Glass, ce Karabaf. Il a même probablement Laser Glass. Mais on le tue en deux coups. Il a Ultima Washi, donc ce qui va ne poser aucun problème. Ah, cette animation ridicule! Ah si si, c'est lui qui se fait dominer là mon gars. Ah et notre coucou était un Pokémon extrêmement fort dans la première génération. Et enfin ce sera... Carapuce. Bon. Tranquille. C'est le premier combat, c'est tranquille, c'est normal. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas d'attaque piège avec Ondine, hein, c'est l'avantage. Il n'y aura pas de danse-flamme, il n'y aura pas d'étreinte, il n'y aura pas de ligotage. À moins qu'elle ait un Pokémon de type plante style Ampiflore. Oh! Je crois même pas bon bœuf. Ah bah si, j'ai... Il est trop sensible ce truc. Ça tue, j'espère. Hein. Ouais, c'est bon. Il est beaucoup trop sensible ce joystick. Je joue avec la manette de Switch. Hein. C'est une excellente manette d'ailleurs, soit dit en passant. Ok, victoire totale. On passe à la suite avec Junior Femelle. Oh, le Voltorb en violet, il est trop joli. On est obligé de commencer avec notre coco, hein, je pense. Hein. Ensuite, je prends qui? Draco? Ouais. Faut que j'ai ectoplasma. Ah, mais il a que tonnerre pour attaquer. Non. Je sais trop... Mais arrête donc! Mais what the fuck? Ok, il va falloir que je m'occupe de cette mage juste après parce que. Voilà, je reste appuyé sur R comme ça il n'y aura pas de problème. Et enfin, je prends qui? Fenard? Gros tas de morve. Ah ouais, non mais il est beaucoup trop sensible ce joystick, c'est quoi ce bazar là?
Prenez le jeu, c'est l'heure de se donner la chance. J'ai sorti, peut-être qu'il sera moins sensible comme ça. Hippo Océan. On voit le méga sensu. Se mettre en position de combat. Plus rapide, brouillard. Ça va tenter la stratégie précision. C'est le cas, je sais que je peux switch assez aisément sur Rotten Morph par exemple. Ce Rotten Morph est quand même très très résistant, donc oh, je vais être obligé de switch. Je vais être obligé de switch parce que je veux pas perdre notre coco, il m'est trop précieux. C'est une méga sensu. Ouais, voilà, c'est. Oh, cette bataille est une tempête. Il se prépare à attaquer. Oh là là, je veux au moins tuer Hypocéan, ce serait bien. Après, Hypocéan peut avoir laser glace. Hein. Là, du coup, mon coco serait vraiment très très mal. Hein. C'est mon dernier coup, ma dernière tentative. Si ça marche pas, j'envoie. Grotan mort. Bon, j'envoie un Grotan mort. Non, avec la plasma, c'est trop. Il est trop fragile sur un Switch, c'est. C'est non. Oh, il est dégueulasse! Il attaque même pas, il bourre les brouillards! Purée. C'est la stratégie. Baisser la précision à moins 6. Et après, voir ce qui se passe. Il va être plus rapide que moi, du coup, mais. Je suis à moins 2 de précision, du coup, là. Oh là là. Quel enfer! C'est pas une stratégie, ça. C'est juste chiant. Ils ont pris toutes les stratégies chiantes et les ont mis dans le jeu. Allez, casse-toi. Ah, même pas! Il a pas de spécial? Oh, j'ai pas fait gaffe. Poison, c'est physique, je crois, dans la première génération. Ah, ça y est, il va attaquer. Il devrait pas faire trop mal. Coup critique, bien sûr! Bah oui! Allez, touche avec détritus, s'il te plaît. Ok, voilà. Ouais, c'est ça. Physique, poison, c'est physique. Le dernier Pokémon se prépare. Doud. Ah, Rondoudou. Il doit absolument reprendre l'avantage. Il n'y a pas de type fée, c'est dommage. Ça va jouer l'endormissement. On joue le sommeil. Il se regarde dans les yeux. Je vais rappeler notre coco. J'ai hésité avec Ectoplasma, parce qu'il avait. Rondoudou avait attaque type normal, et du coup ça ne toucherait pas Ectoplasma, mais. Mais je sais pas. Oh non, mais c'est que ça, sa stratégie! C'est que la baisse de précision, quoi! Oh, c'est bon, ça échoue. Oh, c'est chiant! C'est vraiment très très chiant! Je vais vampigrainer, comme ça, si je fais la précision, bah, il prendra quand même des dégâts. Oh, regardez-moi ça, comment c'est répugnant. Plaquage, il va tenter de me paralyser. Je suis plus rapide que lui. Ça fait mal ou pas, méga sensu? Ouais, il est quand même résistant, ce rondoudou, hein. Je ferais mieux de mettre Ectoplasma à la place. Hein. Oh, cette bataille est une tempête. Ouais, on va mettre Ectoplasma. Changement de Pokémon. Et voici. Oh, maintenant que j'ai ressorti le joystick, c'est bon, il est devenu moins sensible. Et maintenant. Ok, donc là le switch était free. En
Le tonnerre devrait tuer, de toute façon avec le plasma est beaucoup plus rapide que Rondoudou, faut pas exagérer. Allez, coup critique, ça dégage. Une chance sur 16, les coups critiques dans la première génération. Si je dis pas de bêtises. Le nombre de Pokémon de réserve est différent des deux côtés. Alors, à qui le tour ? Voltorb. Il est trop beau en violet, Voltorb. Il est magnifique comme ça. Par contre, je lui fais quoi ? Hypnose des vos rêves ? C'est vraiment le plan, là ? Bon, ouais, au moins il dort, ça marche. Il s'est endormi. À son sommeil donne un sacré avantage. Est-ce que Devorel fait mal? Sinon, bah, je suis obligé de changer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mégadéco. Ah ouais, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Il s'est réveillé. Mais il se réveille. Ça s'emmerde. La charnée continue. La première génération, quand vous vous réveillez, vous ne pouvez pas attaquer. Ça laisse votre adversaire tout le loisir de vous rendormir. Enfin, quand ça marche, bien sûr. J'ai peu de chance de réussir Hypnose maintenant. Oh, ça passe. Très bien. On va espérer que Devorev passe. Il s'est endormi. Comment cela va-t-il influer sur le match? On va espérer que Devorev passe, comme ça on passe à autre chose. C'est vraiment des stratégies de merde, hein. Les flashs, les... Les flashs, les étreintes, tout ça. Pff, oh là là. En première génération, c'était vraiment... Il y avait Lilliput, c'est la strat Lilliput. Hein. Ça, c'était... Oh non! Je sens qu'on dit d'avoir un gros doudou Lilliput. Ou un Meowth Lilliput. Je sais pas pourquoi, j'en suis sûr. Ça me paraît évident en fait. Allez, continuons. Le nageur. Bon, Grotalmorph, c'était pas forcément la meilleure des idées alors. Hein. Ah. Encore un Meowth, putain. Enfin, Meowth peut avoir Lilliput justement. Bah, je commence avec notre cours, hein. De toute façon, c'est mon meilleur choix. En second, je prends qui? Bon, Fenrir était inutile, mais c'était juste au cas où. Draco, ça me semble pas mal. Et enfin... T'as Plasma? Il est que 93 de spécial, Grotalmorph. Ouais, Pikachu est pas meilleur, en fait. Pikachu est vraiment mauvais. C'est juste qu'il est assez rapide. Prends l'ectoplasma parce que il est rapide, il est puissant, on verra bien. Allez, notre coco, on compte sur toi de toute façon, notre coco. Ok, Ferro-Singe, c'est un peu celui... Enfin, je me doutais qu'il allait prendre Ferro-Singe parce que j'ai rien contre Ferro-Singe dans mon équipe. À part, justement... Ectoplasma. Et maintenant... Oh, un remplacement de Pokémon est demandé. Et voici... Oh, Ectoplasma. Oh, c'est une riposte. Eh oui, c'est bête, hein. Ah, manqué. Ah, ils prennent tout de leurs précautions. Bon, on va faire... Je sais pas si du coup Devorev... Ah, bah tiens, c'est intéressant de savoir si Devorev va faire un coup super efficace. Oh non, il s'est endormi. Que Devorev, c'est psy, mais... Il s'est endormi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à l'avoir... Je connais très très mal Devorev. C'est assez compliqué à mettre en place. Oh non! Du coup, j'ai plus le droit de le rendormir, du coup. Et voici Poissirène! Poissirène, bon, bah écoute, c'est pas très grave. Je suis plus rapide que lui, j'ai tonnerre, donc. Et maintenant! Wow, j'ai raté!
quoi ce changement de Pokémon va-t-il influer sur l'issue du combat? Je pense qu'on va le défoncer. Honnêtement, je pense qu'on va le défoncer. Oh, coup critique, super efficace, c'est bon, c'est fini. Au revoir. Des bisous. Poissici. Ok. Donc tu vas pas envoyer faire au singe. Mais si. Ah non, Mélo. Ah, c'est Mélo, Poisseau, Ferro. Ok. Du coup, je peux pas l'endormir, j'ai pas le droit de l'endormir. Je vais envoyer Draco. Pourquoi alors qu'Ectoplasma a l'avantage du type? Et bah, justement. C'est vrai ça, pourquoi? Pourquoi j'ai envoyé Draco alors qu'Ectoplasma était à l'avantage? Ah, pour ça. faut toujours faire confiance à son instinct. Donc, mais c'est vrai que Melofé et Melodelf peuvent apprendre des attaques de type. Pardon. Psy, excusez-moi. Je suis en train de regarder les attaques de Draco. J'ai hésité à faire cache éclair, mais je pense que. Ah, en vrai. Torgnol. Ok, ça va me Torgnol. Une fois. Oups, ça a manqué, ok. Des flags. On va tenter une petite des flags, on va voir ce que ça donne. Il est beau aussi, Draco. Oh, il est brûlé, coup critique. Très bien. Allez, Tony, combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, la max. Ok, très bien. Ça fait 0 dégâts. Allez, des bisous en Mélofé. Bon, il est triste. Bon bah Ferro Singe. Qui devrait se réveiller ce tour-ci, mais vu qu'il ne peut pas attaquer. Oh, des flags. Il se réveille? Ou pas? Non, il dort. Comme une masse, justement. Petite des flags. Ça passe. Si ma déflag passe, c'est fini, du coup. Il peut pas attaquer, là, sur ce tour-ci. Ah, il s'est réveillé. Oh, déflagration. Mégatico. Ok. Allez, plus que Misty, maintenant. Et ce sera terminé. Comment il se dandine, ce Draco. Enfin, c'était facile. Allez, on dîne. Non, elle a pas de gros doudou. Faut que je m'attende à Staros et Tortank, c'est sûr. Et à moins qu'elle veuille tenter une strat hippotrempe, brouillard, je vois pas trop ce qu'elle peut faire en fait. J'ai pris notre Coco Draco et puis Ectoplasma. Je pense que c'est une très bonne équipe. Alors là, si elle a Laser Glass, je suis dans la mouise et elle est plus rapide que moi. Sauf si je l'hypnose. Mais je vais faire un méga sans su. Cache éclair. Il utilise la cache éclair. Hop, il est paralysé. En espérant que son Staros n'ait pas accès à soins, surtout. Un mauvais choix de Pokémon, on dirait. Sinon, ça va être très très long. Ok, météore. Je devrais pas me faire de dégâts en fait. Critique. Okay. Je tue pas, là on est d'accord. Hein. Ah, c'est super efficace. Eh oui, bien sûr. Il
J'ai envie de faire bon bœuf pour économiser les méga sangsues, mais en même temps, s'il fait soin, je suis dans la merde. Il se prépare à attaquer. Non, il a pas soin. Ok, c'est bon. J'ai eu raison de faire bon bœuf. Ah, attendez, si j'attaque. Notre Goku, même paralysé, est très très dangereux pour Ondine. Hein, J'aurais dû switcher sur l'Ectoplasma. Que Météor me touche pas. Il y a beaucoup de critiques, je trouve. Et là, je perds des dégâts, enfin, je perds des PV inutilement sur notre Coco. Pareil, bon bof, attaque signature de notre Coco dans la première génération. Le dernier Pokémon se prépare. Ah, quoi, je me demande si elle pouvait pas l'apprendre, le Vénard. À qui la différence de type va-t-elle donner l'avantage ? Qu'est-ce que je fais de toi, honnêtement ? J'ai envie de t'endormir. Ça me tue pas. Ouais. Si, en fait, j'ai envie de l'endormir pour pouvoir récupérer de la vie tranquillement sur sa tronche. Ah, il est complètement paralysé. Est-ce que j'ai encore besoin de notre Coco ? Parce que là, s'il fait frappe Atlas, je peux envoyer Ectoplasma tranquille. Mais est-ce que j'ai encore besoin de notre Coco ? C'est ça le truc. Je dis que notre Coco, c'était quand même pas mal. Hein. Allez, je vais envoyer Ectoplasma dans... On va se dire qu'il va faire frappe Atlas. Parce qu'il n'a pas le joueur Laser Glass. Donc on va envoyer Ectoplasma. Voilà, frappe Atlas. Qui n'a aucun effet. Ah si, ça a effet. Ah, frappe Atlas touche les Pokémon Spectre. D'accord, bah c'est bon à savoir. Bon bah, tonnerre. Je suis plus rapide que lui. Mais non, mais j'ai fait tonnerre. Oh non. Voyons, quelle chance. Aucun d'eux ne sait le dominer. Il se prépare à attaquer. Et voilà l'attaque. Super précis. Ouais. Ah, cela a annulé sa... Elle retrouve direct sur ses esprits, quoi. Sans... Ça, par contre, ça va faire trop de dégâts. J'envoie notre Coco. Le Pokémon retourne dans sa Pokéball. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Au stade où j'en suis, je pense que, notre Coco. Que mes deux autres Pokémon peuvent tanker Tortank facilement. Voilà. Il va mourir, mais c'est pas très grave. Juste après, on envoie Ectoplasma, on fait tonnerre. Donc ça, Tortank ne peut pas jouer. Enfin, Tortank est mort. Et il nous reste deux Pokémon pour tanker son dernier Pokémon qui va être l'un de ses plus faibles. Donc, ou moi je penserais plutôt sur Starry. Allez, bug pas. Hein. Merci. Heureusement que cette erreur de manip, enfin ce bug même de manette, n'a pas été trop pénalisant. Ça le sera à l'avenir, bien sûr, mais ça ne l'a pas été. Starry, donc j'avais raison. Et même si c'est un Starry soin, il n'a aucune chance de résister à Ectoplasma. Voilà. Et bah voilà! Tranquille! Honnêtement, Ondine, ça a été plutôt simple. Et beaucoup moins chiant que Pierre, en tout cas. Donc, du coup, on a débloqué l'accès jusqu'au Major Bob! La reine d'Azuria est à présent terminée! Ok! Bon! Merci à tous
d'avoir suivi ce cinquième épisode, quatrième épisode, pardon, de Pokémon Stadium. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour le cinquième épisode. Salut tout le monde, bye!